Alors la méthode conventionnelle pour le marquage du réseau de tous les jours des géomaticiens, c'est l'utilisation du GPS ou de la chuillère. Là, on est en test réalité augmentée. Ça permet aux géomaticiens d'avoir en visuel superposition à travers les lunettes de l'image réelle et puis de l'image du réseau. On visualise en direct la position du câble souterrain et on positionne des points stratégiques sur ce câble. Alors, les principaux avantages de l'utilisation des lunettes réalité augmentée, c'est gain de temps, gain d'efficacité, facilité de travail pour le géomaticien. On voit qu'un géomaticien, il a énormément de matériel dans les mains, son GPS, la peinture, les piquets, la massette. Là, en l'occurrence, il a les mains quasiment libres. Dans le futur, ça viendra très vite, on va pouvoir aussi utiliser cette technologie pour le relever. Toutes les nouvelles installations, modifications du réseau, par simple focalisation du regard, tu peux relever tout ce qui sera posé à neuf. Et en fait, ça c'est aussi une grosse simplification pour le travail du géomaticien. Alors pour Romand Énergie, l'utilisation de la réalité augmentée, c'est clairement être précurseur dans l'utilisation de ces nouvelles technologies. Et puis ça démontre encore une fois que Romand Énergie s'engage très fort dans l'innovation.